Eh bien, bonsoir, camarades, et bienvenue dans la suite de votre série. Oui, oh, j'ai fait peur à mon chat. Il m'a regardé, il s'est enfui, ce lâche. Bienvenue. On a bientôt fini ce jeu qui me... sans vouloir être désagréable. Qui commence à être un petit peu long. Je vous avoue que voilà. L'homme est derrière moi au cas où. Non pas qu'il sache en jouer, mais il est là, il est présent pour prendre la relève au cas où. Parce que souvenez-vous... Attendez, je bouge un petit peu le micro. Souvenez-vous, on avait un petit problème de statut. Voilà. Ah. Parfait. Formidable. Excellent. Nickel. Bon. Du coup, nous devions aller là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, je vais le rappeler, hein. J'ai peur des statues. Voilà. Ça me met mal à l'aise et voilà. Donc au cas où je n'arrive pas à continuer, j'ai dit à mon chéri, eh bien écoute, vas-y, viens dès, reste là, prends la relève au cas où. Attendez, le son est un chouïa fort, voilà. Comme ça, voilà. Écoutez, je ne vois plus parce que... Ah ! Excusez-moi pour le bruit, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah! 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 Et voilà une statue qui a fait allure! Regarde comment elle se dresse face au nuage orageux! Oh! On dirait qu'elle est prête à bondir pour dévorer un morceau de lune! Mais elle a un léger problème. Il y a un arc énorme, mais aucune flèche. L'absence d'un élément crucial est toujours désastreuse, même pour un chef-d'œuvre. Oui ? Bon. Cieux sacrés! Waouh, la flèche a pulvérisé les nuages orageux! Hé, regarde! Ah oui, une constellation que nous allons devoir compléter. Alors, ici, ici, là, et probablement ici. Bonjour. Oh. Calme-toi, Mufasa, calme-toi. Ah, je sais, c'est un tigre et pas un lion, mais oh, c'est un gros chat, écoutez. Oh, Amaterasu, déesse du soleil et mère de cette terre. Oui. Les forces maléfiques m'ont enfermé dans les ténèbres. Je ne fais plus de voix caverneuse comme la dernière fois, parce que je vous jure, mes cordes vocales en ont pris un sacré coup, les gars, donc j'évite. Mais ton arrivée m'a réveillé et a restauré la lumière de l'espoir. Oui. Toi qui parcours le même champ de bataille que moi, Gekigami, pardon. Dieu du tonnerre, tu mérites de recevoir le pouvoir de l'éclair. Super. Utilise-le pour achever nos ennemis. Bon, c'est rigolo parce que
On a vu des petits trucs de foudre hein, vers la statue, voilà, des petites choses comme ça que peut-être il faudra foudroyer hein, pour activer. Ça ne me... Voilà. Formidable. Enfin, le 12e dieu, Gekigami. Foudre du châtiment, l'effrayante technique de pinceau pour contrôler le tonnerre et sa marque de fabrique. Tu peux la maîtriser, j'en suis sûre, Ama. Elle t'appartenait avant. Oh. Je sais comment. Tu vois la statue d'épée là-bas? Ouais. Essaie de la toucher avec un éclair de foudre. Quand tu vois un éclair surgir d'un nuage orageux, trace simplement une ligne entre lui et la statue. Formidable. Cela guidera la foudre jusqu'à sa cible. Allez, donne à cette statue un bon petit coup de jus. Formidable. Attendez. Ah! Je me suis planté. Qu'est-ce que tu fiches? J'arrête de faire... Oui! Ah, bah c'est bon! Bah j'ai compris! C'est juste que... J'ai fait ça trop tôt. Mes excuses. Incroyable! Un tel éclair peut griller un ennemi pour de bon. Et on dirait que ton coup de foudre a ouvert cette porte. À croire qu'elle est contrôlée par un mécanisme électrique. Maintenant on peut avancer. Dirigeons-nous au sommet du château avec ta nouvelle technique. Ama? Il ne te reste plus qu'une seule technique de pinceau à obtenir. Une fois que tu l'auras, j'aurai alors vu toutes les techniques. Il n'y en a plus pour très longtemps à présent. Mais ce n'est pas le moment de brasser de l'air. Nous devons y aller tout de suite, boule de poil. Formidable. Maman ? Oui ? Je le sens pas, les enfants, je ne le sens pas. Ah, très bien. Et tu te marres. Oui, non, mais... Ah oui, d'accord, ça tourne, il faut vite passer, en fait. Caméra de mort! Ah! Putain. Oh, me dites pas qu'on va galérer à faire ce passage. S'il vous plaît. Moi, c'est la caméra. Vous êtes témoins, les enfants, c'est la caméra. Pour juger la distance, c'est vraiment pas ça. Un portail, ça pue ça. C'est qu'il va y avoir un boss, les enfants. Et disons que j'ai peur de savoir qui c'est, voyez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai peur, sachez-le. Bon bah YOLO, moi j'en regarde pas. On est où?
au fond du puits. Y'a quoi? Rien. Un parchemin géant. Et... truc cuisant. Qu'est-ce que c'est cuisant? Non, non, d'accord. Y'a ça, et de l'autre côté, y'a autre chose. Ouais, y'a un coffre. C'est quoi le machin qui glisse par terre? C'est des pièges. Ah ok, derrière t'en as plein aussi. Ouais, je vois. Non, mais derrière toi aussi. Oh. Très bien. Ah. Attends. Il va falloir aller la chercher, celle-là. Un truc électrique là-bas, mais... Là-bas, ouais, ça marche pas, ça? Trop loin? Je sais pas trop, je t'avoue. Je vais essayer. Attends, je peux aller un choix. Ah ouais, mais tu peux pas, j'avais dit. Ah, putain, j'avais les deux en même temps. Bon, je crois que j'aurais pas dû faire ça! Ah bon? C'est easy si on peut passer comme ça. Tu veux aller tout droit? Ouais, mais attends, j'aimerais... On peut pas, c'est... Je me demande si c'est une clé plutôt bizarre. Ah, c'est une clé! Ah, c'est vrai que tu es des pièges, pareil. Qui sait ce qui pourrait arriver? Tu pourrais finir foudroyé ou quelque chose dans le genre. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Bah tiens. Quoi? Ah, c'est quoi ces engins? Ils se sont illuminés de façon bizarre. Je me demande si cela a quelque chose à voir avec ce petit machin. Tu viens juste de ramasser, j'espère seulement que cela ne va pas actionner une sorte de piège. Oh, si peu. Je me dis qu'il y a des actifs autour de toi. Ouais, ouais, bah c'est bien ça qui me pose souci. Ah, tu peux essayer, ouais, hein. De toute façon, c'est... Oui, bah je vais ressusciter. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens de sortir. Donc. Clairement. Ouais. Ah bon? Ah, très bien. Bon bah... C'est j'ai pas trop compris, mais ça doit peut-être s'activer quand on reste un certain temps sur les trucs. Excusez-moi les enfants, je ne parle pas beaucoup. Je suis un peu anxieux. Ah, anxieuse, voyez. J'ai peur, j'aime pas ce qui est en train de se passer. Ah. Tout va bien! Everything is okay! Cancel ta garde, mon coco. Labyrinthe du tourment, les portes coulissantes de l'enfer. Comment jouer? Passez une porte et vous serez encerclé par d'autres. Courez à droite, à gauche, partout, jusqu'à épuisement de votre cœur. Un usage répété a créé plusieurs fissures dans certains murs. Ne pensez même pas utiliser des explosifs dessus. Le labyrinthe du tourment est accessible à tous sur l'île Oni. Ne créez donc pas de désordre quand vous y jouez. Ton portable vibre, chérie.
Excusez-moi les enfants. Bon. J'aime pas. Je suis pas bien. Je suis pas bien. J'ai pas avancé à ma place. Il y a une croix. Oh là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un coffre. Ça se trouve comment ? Ah, tu fonces dedans. Oui. Prends le petit... Oui. Je sais pas si t'es sur le bon chemin. Ça se trouve, on trouve des coffres. Excusez-moi, les enfants. Hein. Je suis... Je... Voilà. Comment vous dire que j'ai les mains ? C'est plus des mains, c'est les chutes du Niagara. Et je commence à avoir mal au ventre parce que j'angoisse, alors... Pourquoi tu poses une bonne petite carte ? Il a dit que les murs étaient fissurés et qu'il fallait pas utiliser de trucs dessus. Alors je n'utilise pas de trucs dessus. Oh, oh c'est bien, ça n'a rien à faire. Ah oui, d'accord. Alors, bon, on va faire comme le principe des labyrinthes, hein. On va toujours aller dans la même direction, c'est pas par ici. Là, par là. Je suis allé. Tu peux passer dans la. Ah. C'est pas facile, mais il y a avec le machin là. Tiens. N'est-ce pas ? Caméra. Mais, putain, je suis naze. Il y a des symboles au sol, j'ai l'impression qu'ils changent. Voilà. Moi, je pense que c'est un chemin fait avec du sang, mais. Ça fait son truc, hein. C'est au Camille, chérie, voyons. Tiens, regarde, tiens, on dirait des flèches. Putain. Un jour, j'apprendrai la partie celle d'attaque correctement. C'est point info. J'ai très hâte de sortir de ce niveau des enfers, les enfants. Vous n'imaginez même pas à quel point. Oh, tu peux poser une bombe ici. Ah ouais. Ah oui, c'est très discret, dis donc. Tu poses vite, hein. Je pense que ça va. Hein. Je sais pas ce qu'il y a. Oui. Ah, oh. Oh, c'est l'entrée. D'accord, donc... Non, retourne là-bas. Ouais. Attends, il y a un point de sauvegarde. On va sauvegarder. Moi, les enfants, j'ai peur, on ne touche plus à rien, sachez-le. Voilà, on va aller là-bas et tu vas foudroyer le pilier. Oh. Je te laisse foudroyer. Comment tu poses, tu fais clic droit. Oh. Voilà. Et pour la remordre, tu prends pareil, tu fais clic droit. Ah merde, je suis complètement raté ça. Oh ben. Oui. Faut qu'il y ait une petite fumée verte comme t'as là. D'accord. Oh, ça craint. Oui, c'est-à-dire une sorte. Ah, mais en fait, on va passer par le... D'accord. Tourne, il n'y a pas de chemin, là ? Non, bah, faut revenir à l'entrée, je pense non, que... Non, c'est parce que je me suis planté, là. C'est pas, c'était pas le bon chemin pour le labyrinthe, je crois. Ah. Non, non, il n'y a rien, là, t'inquiète. Je crois comme... Ah, avez... si, attends. Mais si, bah si. Non, bah à mon avis, c'était pas si, la bonne si, sortie. Si, tu peux passer maintenant. Où ça ? Attends, bah regarde, attends. Mais c'est là d'où je viens, chérie.
Ah bon? Ah oui, oui, oui. Ah bon. Oui, 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 c'est le labyrinthe. Ah oui. C'est non, juste... attends, faut peut-être retourner, je vais à l'entrée maintenant qu'on a la clé en fait. Je sais pas, il y avait une autre porte près de l'entrée? Oui. Oui. Je sais pas, moi. Je connais pas le nom. Ah là. Oui! Il y avait la porte. Il y avait une porte que tu pouvais pas. Il y avait ça! C'est en poule! Ah bah voilà! Non mais tu me le fasses, la statue est juste derrière. Ouais. Faut mais... la mettre vers un peu. Bon moi je me casse! Je ne suis plus là! Sachez-le! Excusez-moi pour le chat. Non. C'est des coffres. Tu vas ramasser des babioles. Ça sert à quoi ce truc-là? Tu peux les revendre. C'est tout. Ou alors c'est des bonus en combat. Un bâton d'encre infini. Oui. Oh Seigneur Jésus. Ah. Tu sens la douille venir là. Il y a quand même quelque chose qui... Précisément, c'était PLV, tu vois. J'ai déjà vu cette... Oh, pardon. Ah. Mais jamais une arme avec 9 pointes. Très bien. Donc, il y a un petit truc de foudre en haut, je pense que t'as compris. Ouais. Bon. Yo. Maintenant, c'est ma perdition, les enfants. Comment on combat dans le jeu? Ah non, ça a défoncé la statue, il y a un petit passage là. Les statues, tu veux reprendre? Bon, ouvre les coffres. Je sais pas. Ah, putain, j'ai peur. Portée de merde. Il y a eu un tigre déjà avant, j'étais pas bien. Je crois que c'est un peu alors. Descends dans les limbes. Sinon, pour combattre, pour utiliser ton arme principale qui est autour de toi, c'est clic gauche, et pour envoyer des petits c'est clic droit. C'est tout? Ouais. Ça les purifie en plus, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que cette putain d'enfer? C'est des enfants. Intéressant. Bon sang! Ama! Qu'as-tu donc encore fait cette fois? Mais quelle andouille! Tu ferais bien d'avoir une idée et vite! Il faut que tu traces un trait sur les yeux. Comme ça? Oui. Non, pas plusieurs. Un seul, ah, je okay. pense. Un seul trait. Joue avec la perspective. Ah, d'accord. Ah, ouais. Attends. Tiens, attends. Mais. Tiens, vas-y. Bien, trace un trait droit. C'était pas ça. Si, ça allumait les ampoules. Attends, il faut juste savoir où. Où les. À quoi les relier. Putain, il y en a un autre là. Ouais. Tape-le. Ah, ces monstres! Wouhou! Quelle zone étrange! Excusez-moi, il y a le chat qui passe. Il y a une ambulance avec. Il y a des poutres pour les taper. Ah, c'est flippant! Ah, j'aime pas. C'est trop creepy. Il n'y a pas un truc pour grimper sur les murs hein. C'est quoi cet enfer vert? Si, il y a ça là. Cette plateforme qui tourne. Ouais. Va dessus. Tu vas glisser comme ça. Tiens. Oui, bah. Ça va quoi. Ah. Putain, on est dans Castlevania. Oh là là. On peut faire des doubles sauts sur les murs? Ouais, tu peux wall jump. Ah bon? Ouais. Ah, ok, cool. Bon, j'imagine que je vais devoir trouver une. Qu'est-ce que c'est que cette très intéressant à voir. J'aime pas, tout est gros! Ça se coupe ça?
Ou pas, c'est... Faut faire un trait plus énergique raté. Que ça. Mais non, par contre, tu l'as arrêté. Ah, c'est peut-être ça, Robert. C'est quoi, ce match? Ah, il faut que tu traces un trait de la... De la statue en haut. Tu traces un trait depuis la statue et... Hop. Je sais pas ce que ça va faire, par contre. Parce que je vois pas où tu peux... J'ai déjà pas assez pour commencer. Mmh. Ah, y a pas de... Pourquoi j'ai un... C'est quoi le cube? C'est quoi le symbole que j'ai avec la souris, là? Mmh. C'est quoi ça? Ça veut dire que la caméra ne fonctionne pas, en fait. Tu peux pas éloigner ou rapprocher la caméra. Tu peux pas la bouger. C'était pas obligé de le dire. J'avoue. Je vois pas à quoi sert. À moins de. Si, tu peux marcher sur le cercle. Ah, d'accord. Ah, bah oui. Ah, ouais, ok, d'accord, c'est bon, je vois. Ça dure indéfiniment ou. Je sais pas. Je sais plus. Tu peux. Ça t'agrippe, hein. Ça te. Oui, oui, non, mais j'attends d'avoir le. Bah, tu peux marcher là. Il y a les petites traces de pas. Voilà, c'est. Oui, mais je voulais pas me prendre les bambous dans la tronche. Oui. Oh. Oh là 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 là. Les réflexes d'un homme. Oh, une clé. C'est quoi ce machin? C'est une clé. Non, mais ça. Je sais pas. Ah bah c'est ça. Voilà. Alors. Recommence. Troisième fois ou... Non, non, je pense que c'est bon. Je pense que tu peux passer. Bon, je la lâche pas parce que si tu la lâches, apparemment, au bout d'un moment, elle disparaît. T'as vu, elle clignote ouais, un peu bizarrement. Et je pense que là, tu peux aller. Ouais, aller ouvrir la porte en bas. Ouais. Y'a des dégâts de chute dans le jeu? Des dégâts de chute. Qu'est-ce que pour. Lève. Je crois que je. Lève. Oui? Non, rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des choses. Miséricorde, il y a des choses, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop space, putain. Ah! Oh, il est à fond ton estomac. T'embête pas à manger. Ah, je les mange. Oui. C'est des fruits. Pour les garder pour plus tard. C'est... Oh. What the fuck? Ah, ok, d'accord. Des pièges à la con. Va vers l'arrière. Ouais, ouais. Chérie, il est à fond. Sachez-le. Où est la sortie? Là-bas. Dégoût. C'est bon? Sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Oh putain. Sauvegarde, tiens. Attends, ouais, ouais. Non, mais ça va pas te toucher au point de sauve. Non, non, je regarde. Comme dans la série. Ah là là! Voilà. Et on va... Sauvegardons, les enfants. Je sais pas depuis combien de temps on joue, honnêtement. J'ai perdu la notion du temps. Tu continues un peu? Ouais. Tu veux continuer? Non, ou... mais toi, bah, si tu peux continuer, continue. Mais j'aime pas ce niveau, me met mal à l'aise. Ah bah attends, putain. Regarde le... L'hypnotiseur pharaon dans la série. Ça doit être pratique pour voir dans la nuit, c'est pas C'est de ce côté de le couloir. Ouais, ouais, je sais, mais c'est qu'il y a un petit coffre avec l'électricité. Je vais pas regarder si apparemment. Le sol est d'une brillance.
Rentre dans la porte, je sais pas ce qu'il y a, mais... Ah, oui, oh. Ça, ce sont les portes. Mais j'aime pas, il y a des yeux partout. Tu peux utiliser ton pinceau aussi, faire des traits sur eux pour les... Détruis ses têtes. Détruis ses têtes. Oui. On t'a touché l'autre. Mais détruis ses têtes. Ah, raté. Non, t'es foutu là. Tu peux pas recommencer, il faut absolument que tu... Ouais, non, ça m'a foutu. Si ton c'est dessin est faux, en fait... Non, non, c'est très japonais comme manière de faire les choses, c'est bien. C'est pas un studio japonais qui l'a fait. Non, non, mais... T'es dans l'idée, si tu rates, tu recommences, enfin... Y'a que la perfection qui compte. Certes. Comme la calligraphie, tu vois. Uh-huh. Là, c'est ça. Oui. Oui, mais ça casse un peu les noix. Bah, prends la vie, Seigneur. La vie. Je sais même pas que c'est de la vie. Oh, des petits soleils. C'est pour vouloir tout dire des petits soleils. Misère de misère. Bon, on peut se fermer ici. Non, non, il y a peut-être moyen de fermer. Ah, ouais, là-bas, ouais. A mon avis, il faut la clé dans la bouche pour pouvoir activer les trucs et passer dessus. Hein. Oui, mais la clé, elle est derrière les barreaux, donc il faut la choper. Non, il y a un coffre derrière les barreaux. Non, il y a une clé aussi. Une clé de soleil ? Si, c'est une clé, ça. Mais c'est pas une clé foudre, c'est une clé, je sais pas trop ce que c'est. Fais un trait dessus. Ouais, c'est pas vrai, ça, c'est juste en train de me dire. Ouais. De la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de l'amour. Non, à mon avis, il faut revenir là-bas, ici, plus tard, en fait. Et là, t'as un autre. Attends. On va encore avoir un pot, quoi. Bah, c'est bien les pots. Bah, c'est pas parce que c'est des démons qu'on est là. Enfin, c'est pas parce que c'est des démons que c'est une raison pour leur casser leur poterie, quoi. Je sais pas, c'est joli comme pot en plus. Non. Je sais que t'aimes pas les yeux, hein. Non. Bon, pas foutre encore. Alors, y a une fleur. Les fleurs, tu peux t'accrocher. Ouais, j'ai cru comprendre. Ah, c'est pour ouvrir cette porte, la clé. La clé qu'on a vue avant, c'est pour ouvrir cette porte démon là-bas, tu vois. J'ai trouvé un... Ouais, passer au-dessus, ouais. Y'a pas des fleurs en haut ? Wow. J'ai l'impression qu'il faut une clé foudre. Je sais pas. Ah, bah tu passes en fait, il y a des escaliers. Oui, en fait, la clé foudre est juste là en fait. C'est surtout qu'il y a des escaliers. Ça va te faire des plateformes avec la petite clé foudre. J'étais là, tu sais. Oh, une araignée. Mes excuses pour les arachnophobes. C'est quoi, c'est la version démon de la pendule grand-mère ? Tic, tac, tic, tac, tic. Ok. Tu peux la ralentir en dessinant deux traits l'un en dessous de l'autre. Comme ça, ça ralentit le temps et tu peux passer avec l'araignée qui se balance telle une horloge de grand-mère. Moi, j'aime bien les araignées. Ouais, je sais. Je sais pas si elles m'aiment bien, mais... Hey. Mais toi, tu les aimes bien. Voilà, on a l'air de s'amuser. Ouais, à fond, ouais. Et après je lâche la clé. Elle est pas tombée avec moi. Si, elle est là, elle est là. Oh, vite, 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 elle va disparaître, vite. Ah. Ouais, mais faut que je prenne l'une ou l'autre, non? Bah, t'es rentré, c'est bon, tu peux la lâcher. Et ah, oui, 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 oui. Non, mais de toute façon, tu l'as. Tu peux retourner vers la porte démon. Par contre, je sais pas comment tu sors. Elle a disparu. Et bah, ça cache pas des trucs, ces parchemins. Essaye de. Sortir. Ah, fuck. C'est la surprise. Merde. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé.
Ah bon? Oui, regarde, tu trouves pas qu'il y a une lueur bizarre derrière ce parchemin? Ah, mais c'est qu'il a l'œil! Il voit tout, c'est formidable! Eh, je suis pas bigle pour rien. J'ai pas des lunettes pour rien, je veux dire. Non, oh, j'aime pas faire ça. Ils ont rien demandé, ces gars-là. Pour leur boulot, quoi. Ah, ça. Oh non! Oh non! J'ai pas de clé! Tu viens de donner une clé? Oh putain, non, non, non. Salut toi! Monsieur? Impressionnant, très impressionnant, vous êtes parvenu jusqu'ici! Je dois vous prévenir, monsieur, les jeux sont terminés. Hélas, toute bonne chose a une fin, je dois protéger cet endroit. Mais pendant notre petite compétition de vous à moi, je dois bien vous avouer que je vous aime bien, cher monsieur. Vous voir ainsi foncer galamment au péril de votre vie, c'est quelque chose que je veux admirer encore une fois. Ah bah très bien. Un parmachin qui parle. Hé, hey, aurais-je échoué dans mon rôle de gardien? Vous voyez, mon cher monsieur, c'est que je désire vivre la course de ma vie. Arriver si près du but pour finalement abandonner? Non, ce n'est pas mon genre. Tant pis si j'ai échoué dans ma mission de garder ce château. Cher monsieur, que cette dernière course soit historique. Ouais, mais il faudrait qu'il me file une clé. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire, en fait. Je peux faire... Ah ! En sautant. Ah, ok, d'accord. Putain, faut que j'apprenne à regarder, quoi. Ouais, c'est fou, ce jeu. Ouais, probablement échoué, mais au moins. Non, t'es là-bas. Oh, mais c'est pas long, dis donc. Non. C'est juste qu'on peut absolument pas prendre de. On peut la ralentir avant. Oui, oui. Tu peux mettre. Mais avant de commencer le. Oui, tu peux mettre tes deux traits là et foncer. Ok. Ah. Ah oui. Piège. Merde. On peut passer ce truc comme ça, non. Ah, c'est chiant. Oui. Cette course va être un peu plus difficile que vrai, vision. Je peux m'asseoir? Oui. Je te prends le micro. Aujourd'hui, c'est l'homme qui joue, les enfants. Ouais, tu peux la récupérer, en fait. Je sais pas. Ah, non, je sais pas. Si, si, avec la fleur. Si, si, oui, ouais. Ça sert à ça, en fait. Tu mets des bâtons dans les roues, les gars. Le challenger a récupéré la clé de foudre pour se faciliter la vie. Il retourne au point de départ de la course. Tu peux quand même ralentir l'araignée. Hein. Et c'est le départ! Il a ralenti l'arachnide. Il passe son... Ah, mais... Oh, ça ne passe pas, il évite le piège de bambou. Il est en tête de la course, mes enfants. Il grimpe les escaliers en évitant le piège tel un pro. Il passe le portail, récupère l'argent derrière toi. Oh, il n'y en a plus, s'il y en avait encore, tant pis. La pauvreté. Il est gagnant, ce fut rapide. Oh là que c'est moche. Il découpe ses ennemis. Il passe en fourbe pour les frapper dans le dos. Ça fait des dégâts ? Oui, oui. Ah oui. Fais gaffe quand même. Ça fait des dégâts ? Oui. Pas l'air, hein. Mais si.
Non mais bourrine hein. Ouais. Bourrine comme un gueux. J'ai le droit de regarder la vidéo. Non. Tu n'as pas le droit. Oh mon dieu! Il évite l'attaque de justesse! C'est formidable! Il bourrine! Il attendrit la viande chevaline! Oui! Tel un boucher! C'est prodigieux! Ah, il le prend pas, il le prend pas. Go, il est sonné! Go, vas-y! Le trait, le trait, le trait! Oui. Non. Le. Le trait pas sur son masque. Mais c'est trop tard, il est plus sonné. Je crois que c'est comme ça que je l'ai sonné, non? Non, c'est à force de bourriner que tu sonnes. Non, bourriner avec ton arme. Ah ouais, non, je sais. Oh, il y a des éclairs. Il y a des éclairs qui pop. Je peux les taper. Foudroie l'ennemi par la puissance de Zeus. Tu peux bouger la caméra hein, quand t'es en mode pinceau. Hein. Oui, le bourrinage. Edin, récupère ce qu'il va donner. Foudroie l'ennemi. Oui. Non, à mon avis, ça prend pas. C'est dingue leur truc, tu peux passer derrière. Mais... Elle est bien, bien. Elle fonce. Elle marche. Espèce de couard. Oh là là, il insulte l'ennemi, mes enfants. Gaffe, il va te. Je suis sûr qu'il doit avoir un point faible. Mais on s'en fout, bourrine! Ah ouais, mais ça fait tout. Bourrine! Foudroie l'ennemi! Ah, trop tard. Facile à dire, hein. Les réflexes! Des réflexes, il faut des réflexes! Si tu as dit que quand tu balles dans le chemin, pinceau, 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 pinceau. Foudroie. Oui, aussi. Ah ! Foudroie l'ennemi ! De ton pinceau céleste ! Je sais pas où il est. Il vient bleu. Oh là là, il l'enchaîne! C'est formidable! L'ennemi est enchaîné, il ne peut plus rien faire à part donner des gros coups de massue! Formidable! Bon, si tu trouves un point de sauvegarde, tu t'arrêtes par contre. Un château démoniaque, on ne poserait pas de questions. Si on arrivait par là, non, oh, là on voit. Ah! Ah, mon chien. Eh oui. Ça me dit rien qui va, c'est quoi? Oh putain, il n'y a pas de point de sauvegarde. Prochain. Ouais, mais là, ça va encore durer une heure. C'est quoi, je dis ? Non, en bas. Depuis en bas. Oui, excuse-moi, c'est pas évident. C'est pas... Tu peux y aller, tu peux... Ouais, mais non. Si, tu t'accroches en bas, ici.
Ça marche, hein? Oui. Mais oui, non. On a réussi, les enfants. On est des... Voilà. Faut la ralentir. Éloigne-toi et tu la ralentis. Ça se défonce pas, j'imagine. Non. Ça fait très sculptula, quand même. Un point de sauvegarde? Non. Oula. Il y a un boss, de toute évidence. Oui! Bouffe-le! Il n'y a plus de tête! C'est triste. Très, très. Oui! Il a sa garde. Ah oui, d'accord, il se transforme en pierre, déjà. Pourquoi ça te fait arrêter le temps, toi, quand tu traces des traits? Wow. Ça n'a aucun sens. Il est mort, il est mort. Pas assez. Bon! Je suis désolée les enfants, cette vidéo dure beaucoup trop de temps. Au moins, on aura bien avancé. Veuillez m'en excuser. Ah oui, c'est un mur. Il va falloir que tu mémorises les points lumineux et que tu refasses les points lumineux aux mêmes emplacements. Avec ton pinceau. Je suis Tosenbo. Oui. Je suis le gardien de cet endroit. Tout le monde passe. C'est pas l'inverse. Personne ne passe. Oh, il est un peu con. Encore toi? Dis, tu aimes te faire chatouiller les points faibles, non? De quoi parles-tu? Ah, bref. Ah oui! C'est donc toi, le terrible assassin qui assassine mes frères. Pas très malin, hein. Le démon blanc à quatre pattes. Encore un nouveau surnom pour toi, boule de poil. J'avais prévu ton arrivée. C'est moi le véritable maître de l'île Oni. Je te préviens, je suis bien différent de mes frères. Ah bon? Démon blanc à quatre pattes. Tu ne pourras pas me détruire. Maintenant, pars. Tout... Oui, il est con. Non, alors, tu fais... Non, non, non. Ah merde, désolé. Tu fais un trait sur lui, ça va s'illuminer. Et comme pour le taper, en fait. Ou tu le charges, je sais plus. Je crois qu'il faut le charger. Ouais. Bon, mémorise. Un sous la bouche. Waouh. Alors attends. C'était un sous la bouche, un sous l'œil, un ici. Genre là. Ça. Faut être plus précis, chérie. Ah ok, d'accord. Quelle déception. Alors on va rester. Ok, je m'attendais pas à ça en fait. Non, non. Ouais, ouais, non, il fait tomber des cailloux pour te. Ah. Les points changent de place. Hein. Ouais. Pic, pic, pic. Faut les faire dans l'ordre? Non. Ah! Merde, mais. Je sais plus. Ça, ouais, un truc comme ça. Hein. Et là, et un truc comme ça. Quoi? Oh. Je peux essayer? Ouais, vas-y. Ça a l'air d'être pépou. Ouais, de toute façon, à mon avis, s'il y a un boss, après il y a un point de sauvegarde, non? Oui, normalement. Oui, ouais. Oh! T'as la mémoire d'une carpe ou quoi? Tu as bien vu ses points brillants, blablabla! Switch it! Merde, j'ai lâché la clé, merde, j'ai lâché la clé, ah merde! C'est pas grave, peut-être qu'on a plus besoin. Bah, j'espère! Putain, j'ai encore lâché la clé, putain. Ah, elle revient vers moi, très bien. Ah, c'est bien qu'on entend encore. Ouais. Quoi?
Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il va prendre une photo, ce fou. Ah ouais, mais ça disparaît au fur et à mesure. Bah ouais. Et du coup, j'ai pas pu regarder. Ah, désolé. Ah. Ah, ça me fait chier, ça. Je le sens. Bon, je reviens quand j'ai réussi, les enfants. Emma, t'as la mémoire d'une carpe ou quoi? Je sais comment on me verse, non? Enfin! Tu as si facilement trouvé mes points faibles. Après m'être entraîné si dur pour les cacher, moi, Tosembo, jamais ma défaite. Mais je reste tout de même le maître absolu de cette île. Ne me déshonore pas, alors que ma dernière heure est arrivée. Je tomberai dans les profondeurs de l'oubli avec les honneurs! Eh bien, fais donc. Oh putain! J'aimerais bien sauvegarder, vous savez, genre... Cher monsieur, je ne suis pas de taille contre vous, assurément. Votre regard déterminé, votre esprit farouche, que c'est beau! Quelle élégance, quelle diversité! Vous êtes à votre apogée, cool. Bien sûr, laissons de côté nos petites courses mesquines, vous qui désirez atteindre le sommet de ce château. La véritable apogée de votre aventure est à portée de patte. Votre serviteur Tobimaru n'a jamais ressenti une telle flamme de compétition avant de vous rencontrer, cher monsieur. Je ne peux malheureusement venir avec vous, mais mes meilleurs voeux vous accompagnent pour la course finale. Confetti. Très bien, mon cher monsieur. La der des der, la course suprême, le point final à notre compétition. Faites en sorte que personne ne l'oublie. Oui. Je... ne comprends pas bien. Ça fera pas de plateforme, si? Je peux pas déjà poser une bombe là-bas? Merveilleux. Je vois pas comment passer, hein. Bon, écoutez, les enfants, ça commence à me gonfler, donc on va s'arrêter là, hein, je pense. Je recommencerai tout le machin la prochaine fois, parce qu'on a sauvegardé il y a un petit moment quand même. Donc, bon, voilà, la vidéo fait une heure, j'en suis vraiment désolée. Voilà, c'était pas prévu du tout, mais bon. Ah, j'en ai marre de ce niveau, les gens, je vous le dis, j'ai très hâte de foutre le camp. Voilà. Ça va être pire. Ouais, mais bon, là j'en ai marre. Avec sa course à la con là. Bon, les enfants, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à vendredi pour du Mass Effect. Au moins Mass Effect, ça va, j'en ai pas marre. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, sortez tout vert. Le micro s'est tourné, c'est pas grave. À ciao, bonsoir.